Ah, c'est pour réveiller un peu les jambes. Ah, j'aime pas trop faire des jours complètement de pause parce qu'après on s'endort un peu. Et voilà, après quelques accélérations pour garder la tension et puis un petit peu de stretching, voilà, ça fait du bien. Je vais partir 7,55, 8 minutes. Trop bon. Ouais, bah c'est un peu pour ça qu'ils ont monté la course. Moi je vais y aller à fond et puis on verra ce que ça donne. J'ai un peu le rhume donc je sais pas. C'est un peu la question de savoir si ça va passer ou pas, mais voilà, je vais y aller à fond et on verra. Ouais, j'avais une semaine tranquille. J'ai fait vraiment mon programme. Mon coach il m'a laissé libre. Donc voilà, j'ai fait deux séances un peu courtes pour me réveiller un peu. Mais ouais, rien de fou. Et puis kilométrage vraiment moins que d'habitude quoi. Du coup physiquement j'ai récupéré, c'est juste ce rhume où je sais pas trop si c'est ce que ça va donner, mais c'est autrement. C'est combien de semaines tranquilles, kilométrage plutôt? Voilà, cette semaine je serai peut-être à 130 max. Voilà. In my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone. Know that I get it done in the Benz, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Ready or not, I be pulling up. Remember they said I'm not good enough. Hey you man! C'était pas facile, j'ai vraiment dû aller sortir les tripes quoi, parce que voilà, j'étais un peu diminué par le rhume, j'avais de la peine à respirer, du coup je me suis vraiment accroché dans les deux derniers kills et apparemment j'ai le record pour une seconde, donc c'est beau. Aujourd'hui, eh bien, fait vraiment très peur, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, officialisé, donc le temps officiel maintenant, 13,29 sur ce 5 km route, nouveau record du monde du 5 km route, Julien Vombes. Bravo! Bravo!